Salut les amis, de retour. Hola amigos, hello my friends. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel. Tuto numéro 3, je pense, oui. Et ça va être le dernier, je pense, parce qu'il reste pas grand chose. Et après, on va passer au hacking. Commençons. Un petit échauffement du monde. Tout d'abord, j'aimerais bien commencer par le light kick et le medium kick, mais on va pas trop s'attarder. Ça. En fait, on fait Shoryuken et après on fait piano. Soit BALK, MK, SK et après coup de poing. N'importe. Comme vous avez regardé, on fait Shoryuken et après on fait piano. C'est pareil pour mais il faut pas y aller trop vite. Si on y va trop vite, elle va l'annuler. Elle va l'annuler. Et c'est pareil pour le LK. Faut y aller un petit peu doucement. Là aussi on peut l'annuler avec le MK, vous voyez. Il fait genre qu'il va le sortir, mais non, on l'annule. Ça s'appelle le paracancel ou l'annulation. Vous l'appelez comme vous voulez. C'est pareil pour le BASK. On entend le bruit du BASK mais on ne le voit pas. C'est tout ce que vous devriez savoir sur le BALK ou BAMK Shoryuken. On fait pas bas et après Shoryuken, non, on fait Shoryuken et après bien. Voilà. Là, on va passer au MP. Medium punch au moyen coup de poing. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Là, normalement, le bas medium punch est associé avec tout sauf le LP, je pense. Il sert à rien. Vous voyez, et ça suit pas avec le, mais le reste il se marie bien. En commençant par le LK, ça marche. Le MK, ça aussi ça marche. Le SP, ça marche aussi, ça fonctionne bien. Et après, non, le BASK, ça aussi ça marche. L'adversaire, il n'aura pas le temps de prendre sa garde. Ça marche bien. Bas MP, bas SK, LK, pardon. Hadoken, ça marche. C'est
ça aussi, ça marche. Ça marche au coin et ça marche au milieu de l'image. Après, on abat un P, debout un P. Ça aussi, ça marche. Mais on peut rien rajouter derrière. Même paradoxe. Il sort, mais il a le temps de prendre sa garde au milieu de l'image et au coin. Il a le temps de prendre sa garde. Du coup, ce combo, on peut oublier. Après, on abat un P, double SP. Est-ce qu'on peut rajouter Hadoken? Oui, on peut rajouter Hadoken. Mais au milieu de l'image, ça ne marche pas. Au coin, ça marche. Là, ça marche au coin. Au milieu de l'image, ça marche pas. Et après, on a Shoryuken. Shoryuken, avec tous ces combos que je viens de vous montrer, ça marche pas. Ça marche pas avec Shoryuken. Mais Tatsumaki, ça marche avec certains, mais pas d'autres. Et ça marche juste avec ça. Au milieu de l'image et au coin, les deux, ça marche bien. Là, ça marche pas. Ça marche pas non plus. La dernière, dans la dernière vidéo, j'ai oublié de mentionner le ça. C'est pareil comme pour le MP et pour le SP. Si je fais ça, ça marche pas. Si je fais l'inverse, ça marche pas. Mais si je fais les deux en même temps, ça marche. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Normalement, tout marche avec. Au milieu de l'image et au coin, hein, donc ça rentre bien. Et après, on a quoi? On a Tatsumaki, ça marche bien aussi. Au milieu de l'image et au coin, ça marche bien. L'inverse. Pareil, au milieu de l'image. Et au coin, les deux, ça marche bien. Et après, il ne reste Shoryuken. Ça marche aussi au milieu de l'image et au coin, les deux, ça marche. Au milieu de l'image et au coin, les deux, ça marche bien. Du coup, voilà pour le tuto d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera un petit peu. Et après, on va passer sur Ken, ou Gaël, n'importe. Et autre chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que j'ai eu quelques questions sur les deux dernières vidéos, les trois dernières vidéos, je ne me rappelle pas. Les questions, je vais répondre, mais dans une vidéo à part, pour que les vidéos ne soient pas trop longues, si j'essaie de répondre aux questions en même temps, de continuer les tutoriels, du coup, je vais le mettre à part. Voilà les amis. Et du coup, je vais vous montrer un aperçu pour le prochain combo des Ken. En même temps, on va faire plusieurs combos. Ceux qui marchent avec Ken, mais ne marchent pas avec Ryo. Restez avec moi.
ce combo, on va le travailler ensemble. Je vais faire une vidéo spéciale parce qu'il y a certaines choses que vous devriez connaître. Et les amis, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager entre vous. Et moi, je vous dis à bientôt.